Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkfire pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment connecter sa manette de PS4 à son téléphone pour jouer à Call of Duty Mobile. Donc, pour commencer ce tuto, nous allons avoir besoin d'une manette de PS4 et d'un téléphone. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne YouTube, je vous invite très fortement à venir vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mes réseaux sociaux s'affichent également à l'écran, juste ici. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous sommes assez nombreux. Je publie assez souvent sur TikTok par exemple, au moins un TikTok par semaine. Donc pour commencer ce tuto, nous allons avoir, comme je le disais précédemment, besoin d'une manette de PS4. Ça marche aussi avec une manette de Xbox. Je ne sais pas si ça marche avec les autres manettes, il faudra vous renseigner. Et d'un téléphone. Pour le téléphone, nous allons avoir besoin d'un téléphone assez récent ou sinon assez puissant. Ici, nous avons un Samsung Galaxy S20. 8 Go de RAM, Exynos 990, donc c'est un téléphone assez puissant et assez récent vu qu'il est sorti en 2020. Donc, la manette, c'est une manette de PS4 normale, ça marche pas aussi avec les fausses manettes de PS4, voilà, je tiens à le préciser. Nous allons devoir suivre 4 étapes pour pouvoir connecter sa manette de PS4 à son téléphone et pour pouvoir jouer avec sa manette sur le jeu Call of Duty Mobile. Donc pour commencer, nous allons devoir activer le Bluetooth de notre téléphone. Et ensuite, une fois activé, nous allons devoir prendre notre manette. Et nous allons devoir appuyer sur le bouton PS et le bouton Char en même temps. Donc bien évidemment, je vais vous montrer tout ça, nous allons le faire ensemble. Vérifiez également que votre manette soit bien chargée avant de réaliser ce tuto. Donc là, nous avons bien le Bluetooth de notre téléphone d'activé. Nous allons appuyer sur le bouton PS et le bouton Char en même temps pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que la LED du milieu clignote et jusqu'à ce que la manette apparaisse sur le téléphone. Donc c'est parti, nous allons cliquer sur Analyse, bien évidemment, avant de commencer. Voilà, ça clignote. Donc attendez une seconde. Donc moi je l'avais déjà fait comme vous pouvez le voir, donc je la dissocie. Et là comme on peut le voir, elle est juste ici, wireless controller. Donc vous normalement ça devrait s'appeler exactement comme moi, wireless controller. On clique dessus pour l'appairage. Donc là ça nous demande bien évidemment si on accepte de l'associer, on accepte. Et une fois ceci fait, la LED devrait rester allumée comme ceci. Donc voilà, c'est assez rapide. Une fois que vous avez synchronisé votre manette à votre appareil, il reste encore une troisième étape à réaliser directement dans l'application Call of Duty sur votre mobile. Donc vous lancez l'application, vous vous rendez dessus et vous vous rendez dans les paramètres juste en haut à droite, donc juste à côté des amis, juste ici. Et là je vais rapprocher le téléphone de l'écran. Non, vous savez quoi, je vais carrément vous l'afficher à l'écran. Et donc voilà, vous vous rendez dans la catégorie manette, comme ceci. Et ensuite, vous allez vous rendre dans paramètres. Donc paramètres de la manette. Et ici, tout en haut, vous avez connecté la manette. Donc moi, c'est déjà activé, bien évidemment. Mais vous, normalement, ça devrait être comme ceci. Et là, vous allez activer la compatibilité avec la manette. Et voilà, dès qu'il y a le V, ça veut dire que c'est activé. Et maintenant, on va essayer de jouer en jeu avec la manette pour vous montrer que ça fonctionne bien. Le seul petit inconvénient qu'il y a de connecter sa manette à son téléphone pour jouer à Call of Duty Mobile, c'est qu'après vous allez jouer que avec des gens qui ont soit une manette de connecter, soit un clavier, soit une souris, etc. Vous allez jouer que avec des gens comme ça qui ont un périphérique de connecter pour jouer au jeu. Donc vous n'allez plus jouer avec ceux qui jouent en mode tactile. Voilà. Donc normalement c'est ce qu'on recherche lorsqu'on joue avec une manette, un meilleur confort, un peu plus de divertissement, un peu plus de difficulté. Donc voilà, nous on va lancer une partie pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc bien évidemment, je vous affiche ma partie à l'écran. On va dans multijoueur. Moi, je vais prendre... Donc on va décocher les dominations. On va prendre une mêlée générale. Tiens, j'aime bien. On confirme, on joue. Normalement, ça devrait être assez rapide. Là, déjà, vous voyez le petit rond de la manette. Donc normalement, ça devrait être exactement les mêmes touches que sur le jeu sur PS4 ou sur Xbox, etc. Normalement, ça devrait être les touches de base. Donc là, sélectionner. Donc voilà, R2 pour tirer, L2 pour viser. Voilà, c'est vraiment les touches de base, carré pour recharger, etc. De toute façon, vous avez les touches qui s'affichent juste ici à l'écran. Et voilà, normalement, on devrait très très facilement gagner. Là, vraiment, on a un meilleur confort de jeu. Comme vous pouvez le voir, les touches répondent immédiatement. Il n'y a pas de latence.
Après, ça dépend de votre connexion, bien évidemment. Donc lui, je vais le cut. Voilà. Ça dépend juste de votre connexion. Ceux qui ont une latence, c'est qu'ils ont une très faible connexion. Moi, j'ai pas de latence, ça bug pas, c'est très rapide, très fluide. Après, ça dépend aussi de la puissance du téléphone, hein, on va pas se le cacher. Call of Duty Mobile, c'est un jeu qui prend énormément d'espace. Je crois qu'on est aux alentours des 6 gigas, facile. Voilà, on va s'amuser là. En plus, on est sur une map que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Knockdown. Non, c'est pas Knockdown. Je sais plus. Oui, on n'est pas mort une seule fois. On fait des éliminations à la volée. C'est vraiment incroyable. Normalement, on devrait faire top 1. Je vais vraiment essayer de me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ça, c'est la seule chose dont j'ai peur. Que la vidéo dure trop longtemps. Vous avez vu, je suis pas mort une seule fois, hein. C'est vraiment incroyable. Alors après, je suis assez fort, on va pas se le cacher aussi. Pas le temps. Plus de 2 kills. Et voilà, comme vous avez vu, on a fait directement un top 1. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Likez cette vidéo aussi, ça me ferait très plaisir, surtout pour le référencement YouTube. N'hésitez pas à la partager, voilà. C'était Darkfire, bye.